Joe! Oui, j'espère qu'on a de nouveaux habillages. On va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Donald Jassem, Miller Tchanchou et Colin Souanchou qui écrit pour Ifotso, Joseph Fotso, son nom de producteur qui a son tour, un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément le producteur, du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canal d'Or. Oh là là, présidente des Canal d'Or. Elle s'appelle Madame Colette Chatuet. Bonsoir, madame. Bon. On peut avoir de meilleurs habillages, mais bon. Mais moi, j'ai jamais su comment ça se lit. Ça se lit Gissa ou Gissa? Gissa. Gissa. Oui, voilà, oui. Je me disais bien. Hein. C'est qui, en fait, on doit là. Oui, voilà, ah, je me disais bien. Donc, on reçoit Gissa. Voilà. Donc, dans le quotidien de la vie, normalement, tu aurais pu être familier de André-Marie Ampère ou de George Simon Holm. Mais tu as d'autres préférences, hein? Oui. Tu adores la musique complètement. Oui, oui. Francis Bébé, Éboi Lautin, Petit Pays, Douleur, J.C. Mimbet, ça c'était kiff. En fait, tu es un grand amoureux de la musique. Tes amours et les premiers, la batterie, la composition, l'écriture, le chant et dans la vie, en évoluant, tu as trouvé ton ADN à toi, musicalement, dans la rumba et les balades. C'est ton étiquette. Développer des thèmes, parler d'amour, parler de la vie, parler des vertus humaines, c'est ton truc. Oui. Complètement. Voilà. Comme tout bon Camerounais, on a l'habitude de dire des Camerounais que dans l'ADN, ils ont deux choses, le foot et la musique. Voilà. Ouais. Donc, toi, tu as la musique, on ne sait pas si tu as le foot. Tu arrives en France en 2002. Initialement, tu as tes études d'électricité, mais aussi tu as ton amour pour la musique. Tu te rapproches de ceux qui sont considérés comme les maillons de la plaque, tournant de la musique africaine sur la place parisienne. Tu développes ton amour, tu le fais grandir. Tu apprends davantage à la fois les codes de la musique camerounaise dans les maillons ancestraux, mais également les codes de la composition à l'international, comme le voudrait, je sais pas, comme on le ferait en académie de musique. Oui. Et donc, ton premier single, il faut que je prononce bien avec Gissa comme je me suis perdu. Mousseya Moi Boss. Mousseya Moi Boss. C'est bien ça? Oui. Les premiers cris. Oui. Le premier cri en particulier. Oui, le premier cri pour quelqu'un qui est déconnecté de son pays de façon physique, qui vit à l'étranger, qui affronte d'autres réalités, mais aussi le premier cri d'un artiste qui propose son premier single et après il y aura. Omulema Nandolo Niesse, je prononce également bien, affectueusement, c'est magnifique. Et puis il y aura Nanou, il y aura Balai, il y a surtout un artiste qui trouve le moyen de s'inscrire dans son temps en s'inspirant des anciens, ceux qui étaient avant lui, en trouvant sur le chemin son authenticité. C'est bien parce que pour nous, on a l'habitude de dire que la musique camerounaise, d'une certaine façon, doit voyager, doit s'imprégner d'autres réalités. Et toi, tu fais partie des artistes de la diaspora. C'est un plaisir de te découvrir et de te recevoir pour la première fois. Bienvenue, Jules-Emmanuel Lobet et Gissa. Merci. Voilà, c'est notre invité, il s'appelle Gissa et tout de suite, il sera avec nous sur ce plateau dans quelques secondes, je pense. On l'appelle Gissa, il est